Salut les amis et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Zelda Tears of the Kingdom. On est dans la continuité de nos sanctuaires, mais cette fois-ci nous sommes dans une nouvelle région. Je suis allé dans cette section-là, à la tour du mont Ramol, pour pouvoir découvrir tous les sanctuaires qui sont dans le coin. Il y en a, pour l'instant, 5 que j'ai découvert, peut-être même plus, non, 2, 6 que j'ai découvert. Donc je crois qu'il y en a un peu plus dans cette région. Mais là, de la tour, en fait, je me suis propulsé de la tour, et vous pouvez voir, sortie de terre, sans vous prendre la tête, 6 sanctuaires. Là, vous pouvez les voir, j'ai mis tous les pings, toutes les petites balises, elles sont là, donc vous pouvez largement les voir, ceux-là, il n'y a pas de problème. Vous regardez bien, vous scrutez de la tour et vous les verrez. Parfois, ils sont un peu loin, mais vous les voyez très bien. Moi, pour le moment, je me suis dirigé vers la petite balise verte qui est à la forteresse d'Akala. Je ne suis pas loin du village de Zéro, c'est aussi pour ça que j'ai choisi cette région, pour pouvoir débloquer aussi le village de Zéro, parce que j'avais envie d'aller faire un tour là-bas. Mais comme je n'avais pas encore découvert, je n'y suis pas encore allé. Juste pour aller chercher, dans une vidéo que vous pouvez voir, le petit cristal pour faire le sanctuaire de Jyoti Iiga. Mais c'est tout, je n'ai pas été plus loin, donc je vais pouvoir le découvrir. Donc voilà, je suis arrivé ici, et on va pouvoir bosser, c'est quoi ça? Oh putain, il m'a fait peur ce con. Oh super. Bon. Je vois qu'on s'est fait des amis. Oh là 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 là. Bon bah. Petite vidéo de main de miasme improvisée au final. Je savais pas qu'il y en avait là quoi. Ils sont tous dead. J'ai mon arme qui va rendre de l'arme. Mon. On est. Qui va rendre l'âme. Bah pourquoi ils ont disparu? You. Bon. Parce que j'étais un peu trop loin. Oh c'est triste. On n'a pas fait le fantôme de Ganon. C'est pas grave. C'est pas grave, j'étais chaud, j'étais patate. Là j'étais prêt à le défoncer mais non. Quelques flèches bombes pour l'autre et puis voilà, c'était fini. Sanctuaire de Domi Zuido. Allons voir ça. Alors, situé vraiment, comme vous pouvez le voir, il y a le petit rond pour aller dans les profondeurs. Il est vraiment au haut de la forteresse sur la crête. Il doit y avoir des trucs sympas dans la forteresse, faut que j'aille faire un petit tour. Moyen de se faire plaisir. Bon, déjà on n'est pas en caleçon, donc c'est un sanctuaire. Le chemin couché. Sanctuaire Domi Zuido. Ouh, ça va être un cube qu'il va falloir bouger. Alors, je sais pas si c'est avec la manette ou autrement. On va regarder déjà s'il y a des coffres, s'il y a des passages autour. Des fois, ça se cache. Mais non, en première vue, rien. Ok. Bon, il va falloir grimper. Hop. Pas tout de suite. Pas tout de suite. Ici. J'aime pas trop m'approcher quand je vois pas mes pieds parce que je me dis toujours qu'il y a le trou et que je vais me casser la figure. Mais non, c'est ok. Ah, bah c'est à la main. À la main. Déjà, on a un coffre sur la gauche. On voit qu'on en a un autre à l'intérieur. Ok. Let's go. Alors, on va se poser 2 secondes et on va réfléchir. À chaque fois que je tape, ça tourne dans ce sens-là. La fin du sanctuaire est là-haut. On a des ouvertures. Ok, quand je tape ça, ça tourne. Bon, déjà, on peut récupérer le coffre là. Un coffre là récup. Celui qu'on voyait de l'extérieur. Ok. Il y en a un autre là-haut, ok. 10 flèches. Donc là, il va falloir tourner ça jusqu'à temps de récupérer celui-ci. Celui qui est de l'autre côté, il faut une ouverture. D'accord, ouais, j'ai compris. En fait, il va falloir aligner ça de façon à ce que nous puissions aller sur la crête. D'accord, ouais. On n'est pas dans le bon sens, là il va tourner que dans un sens quasiment. Donc là, ok. Oh, c'est pas ça ce que je voulais faire. Le bouton, c'était pas le bon. C'est pas grave. C'est moi qui appuie sur le mauvais bouton. J'ai appuyé sur les 2 boutons en même temps, mais je sais pas pourquoi, je vous avoue. C'est pas grave, on a fait une belle chute, c'est joli. Mais j'ai appuyé sur le bouton flèche. Sur le bouton de l'arc. C'est pas grave. Ça nous fait un petit cœur qu'on va récupérer à la fin. Allez. Arbre d'énergie, Sonao. On prend. Au bord, en limite, il aurait pu nous propulser jusqu'en haut. Donc là, on va essayer de récupérer ce coffre-là, parce que ça, vu le sens que dans lequel il tourne, on l'aura jamais comme il faut.
En fait, va falloir réactiver un tour de celui-ci. Vous allez voir. Alors, comme vous avez vu, j'ai tourné une fois celui qui est au fond là-bas. Je suis rentré. J'ai récupéré les coffres. Bah, ah bah, il n'y avait pas besoin de s'embêter. Hein. Il est ouvert en grand. Vous avez vu, n'importe quoi. Et là, je l'ai vous tapez. Bon, ensemble, vous tapez. Moi, j'ai tapé une fois, deux fois, trois fois. Hop. Comme ça, mais bon, c'est plus simple. Hein. Vous pouvez y aller, vous tirez une flèche. Vous l'avez quand même, vous inquiétez pas. Bouclier de sodium ultime. J'ai déjà. Mais celui-là, ça fait un bon moment que je trimballe, je me demande s'il va pas péter. Ouais, ouais, vaut mieux que je le change. Ah, mais ça a pas... Bah, pourquoi ça a pas pris? J'ai appuyé sur la touche, mais il se passe des choses bizarres, mes amis, je sais pas ce qui se passe. Ouais, je sais qu'il est plein, mais j'avais demandé à le changer, en fait. Ah mince, c'est ce bouclier là que j'ai sur le dos. Waouh. Mais il est où l'autre alors? Je comprends plus rien. Pourtant celui-là il était devant moi. Je sais plus ce que je fais les amis je crois. Je perds la boule. C'est pas grave. Voilà, c'était celui-là que je voulais enlever. Récupérer un autre. Et pourtant, je consomme pas d'alcool. Hein. Donc là, voilà, on a fait ça. Réactivez surtout pas celui-ci, tirez une flèche sur celui-là. Je pense que là, après, on sera bon. Trois flèches. Voilà. Et là, va falloir tourner de façon à ce que ça, là, le petit bout, là, il soit vers le bas. Donc ouais, c'est pas du tout le bon sens, en plus. Donc là, on va tourner. Hein. Ok. Ok. Au moment on a eu tous les coffres, hein. On regardera à la fin quand même. Il nous en manque un. Et puis le dernier coup. Oh, ça quand même vous foutre la gerbe. Ok. Et là on grimpe. Normalement ça devrait être bon. Si la logique est bonne, non, c'est bon. Et ouais, cool. Sauf qu'il y a un trou. Oh mince. Voilà. Ça va, ça va. Il y a quoi? Non, il y a un... Ok. Ah, oh, un petit casse-tête sympa, j'aime bien. C'est cool. Ça fait plaisir. Bam, bam. Lueur bienfaisante, on est à la 7ème. Ça remonte tellement vite, ça c'est cool. J'ai récupéré mon petit cœur de mon petit fail. C'est bon ça. Voilà, oh c'est joli. C'est mieux quand il fait jour. Hein. C'est bien lumineux. Oh oui, il doit y avoir plein de choses à aller voir dans la forteresse. Bon, il y a des mains de miasme, on va falloir faire attention. Mais normalement je les ai battues. Je pense pas qu'elle va revenir, même si j'ai pas tué le fantôme de Ganon, je vois. Mais bon, c'est un petit coin à aller explorer, ça a l'air bien sympathique. C'est triste que ça soit des ruines, mais c'est bien sympathique quand même. Bon, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura fait plaisir. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un commentaire, abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné, et surtout activez la petite cloche pour avoir les dernières notifications. C'est très important. Sur ce beau temps, cette belle vue, parce que le sanctuaire est très joli, je vous souhaite à tous un très bon jeu. Amusez-vous bien, puis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.